La République. Il faut dire que son supérieur, il faut le miasser. Tu le mets ou pas? Ça, c'est pour une journée. Libéré Gbagbo! Libéré Gbagbo! Libéré Gbagbo! Libéré Gbagbo! Libéré Blegoudé! Libéré Blegoudé! Non, libéré! C'est ça, la révolution m'a dit. Mais il te plus aussi. La paix, ramener la liberté. La Galigue! La Galigue!
La goligosseuse, la goligosseuse. La goligosseuse. La goligosseuse. La goligosseuse. Ouais. Forte mobilisation. Où est-ce que l'on va venir? Voilà, donc on est là aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont réunis au-delà des divergences qu'il peut y avoir, voilà, pour réclamer la liberté du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Léboudé. Voilà. C'est ce qui est le plus important pour nous. Le vrai point. Voilà, c'est ce que la Côte d'Ivoire attend pour se réconcilier. Voilà. Les guerres, là, voilà. Non, les petites ça. Guerres, qui a la plus grosse, qui a la moins grosse, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Voilà. Ce qui intéresse les Ivoiriens, c'est ce qu'on peut apporter à la Côte d'Ivoire. Voilà. Ce qui intéresse les Ivoiriens, c'est le discours qu'on peut tenir pour permettre à la Côte d'Ivoire de devenir une vraie démocratie pour se développer. Et si on est dans ce combat avec le président Laurent Gbagbo, c'est pour le respect de la dignité humaine. Donc on ne peut pas mener un combat pour le respect de la dignité humaine et puis passer son temps sur les réseaux sociaux à tenir un discours indigne. Donc il faut que nous-mêmes on se revoie et puis Bigo Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, pour le sauver. Ah, c'est un champion. Ciao, ciao.